Pour tous ceux qui salissent le nom de votre mère, pour tous ceux qui ignorent de quel côté ils sont, pour tous ceux qui repoussent l'amour de votre père, et ceux qui ne connaissent pas la puissance de son nom, pour les silences complices à leurs infiltrations, qui entartrent les plans de votre hiérarchie, pour ces fausses disciplines qui enterrent la passion et qui font fuir au loin ces foules d'indécis. Au nom de votre Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces prêtres qui célèbrent leur messe, consacrant les espèces sans même avoir la foi, qui bénissent de très loin ceux qui vont à confesse et baptisent les enfants juste du bout des doigts. Pardon pour ces chants faux et ces fausses oraisons, ces homélies sans cœur et sans grande conviction, ces demandes futiles pleines de complications, qui s'épuisent en paroles en de vaines réunions. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces papes qui hésitaient parfois, pour tous ces cardinaux qui se taisaient en cœur, pour ce concile de Brèze qui imposait sa loi. Plus de messe en latin, communion dans la main, pour le fleuve trop rouge d'une Saint-Barthélemy, pour ces gens sacrifiés parce qu'ils étaient chrétiens, pour le sang déversé du mercenaire à vie et les têtes coupées des missionnaires lointains. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous les tièdes dont les actes sont flous, pour ceux qui déshonorent leur si noble fonction, et pour tous ceux qui croient à un autre Dieu que vous, au nom de leurs plaisirs et de leurs vices sans fond. Pardon pour ces chrétiens qu'on n'a pas su garder dans nos paroisses vides et nos églises fermées, pour toutes ces mains de pauvres qu'on n'a pas su serrer, et pour ces malheureux restés des étrangers. Au nom de mon Église, je demande pardon. Je demande pardon. Abus de pouvoir des évêques corrompus, et pour le mal qu'ils font sans connaître de sanctions, pour leurs ouailles égarées et leurs troupeaux perdus, pour le malheur qu'ils ont de trahir la maison. Pardon pour ces erreurs au nom d'idées reçues, pour ces fausses vérités que l'on jetait en l'air. Pardon pour ces combats que l'on savait perdus, pour toutes ces messes noires et ces croix à l'envers. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pour tous ces déroutés qu'on n'a pas su convaincre, pour toutes ces guerres stériles où l'on n'a pas su vaincre, pour tous ceux qui n'osent pas rallier votre saint nom, et tous ces orgueilleux qui croient avoir raison, pour tous ceux qui protestent sur une fausse conviction, pour ceux qui favorisent toutes les divisions, pour ceux qui sont lâchés parce qu'ils avaient raison et qu'on a délaissés dans le fond des prisons. Au nom de mon Église, je demande pardon.
ces gens sans Dieu sous leur grand drapeau rouge, qui nie le purgatoire et même le paradis, qui casse du curé juste pour que ça bouge, et fuiront en enfer le reste de leur vie. Ceux qui vous contredisent et fuient l'obéissance à votre bon vicaire qui fait tout ce qu'il peut, ceux qui singent l'évangile en détournant son sens et blasphèment l'esprit qui lui va où il veut. Au nom de mon Église, je demande pardon pour cette fausse tolérance qui renie le bon sens, cette fausse liberté qui défie la raison, cette fausse égalité qui règne en votre absence, et cette fraternité qui n'est pas en votre nom. Pardon pour tous ces crimes qu'on ne sait plus arrêter, et pour ces lois débiles qu'on ne maîtrise plus. Pardon pour ces mamans qu'on a fait avorter. Pardon pour toutes ces larmes et ces enfants perdus. Au nom de ceux qui aiment, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Ah, si le président avait seulement voulu placer sur nos drapeaux le grand cœur de Jésus, nous n'en serions pas là aujourd'hui tous perdus à déserter une France vendue aux inconnus. Ah, si le président avait écouté clair, envoyé par le Christ, audacieuse messagère, nous n'en serions pas là autour de cette table à subir toutes ces lois aux griffes redoutables. Ah, si le président avait suivi Marie, qui voulait pour son fils une place à Paris, nous n'en serions pas là à pleurer aujourd'hui, plongés dans la souffrance, dans ce pays maudit. Ah, si le président avait fait comme Saint-Louis, qui rendait la justice au nom de Jésus-Christ, nous n'en serions pas là à trahir nos amis qui venaient de si loin pour copier notre pays. Ah, si le président, au nom de l'égalité, n'avait pas renié notre foi déclarée, nous n'en serions pas là à toujours nous chercher une couverture ailleurs, une protection sacrée. Ah, si le président, au nom de la liberté, avait su t'empêcher toutes ces infiltrations, on n'en serait pas là, acculé à la guerre, à chercher comment faire pour regagner nos pions. Ah, si le président avait choisi ses frères parmi ceux de Jésus, dans toute cette misère, on n'en serait pas là aujourd'hui à refaire
cette révolution qui n'en finit jamais. Ah si le président avait choisi Jeanne d'Arc pour mieux guider la France sur son chemin barré, on n'en serait pas là, en dessous de cet arc, à devoir reconstruire ce Paris déprimé. Ah si le président avait eu simplement un vrai grand cœur de chair, comme Jésus l'entend, il n'en serait pas là, les deux mains sur ses reins, et n'aurait pas ce sang aujourd'hui sur ses mains. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous aimer autant que Jésus, je le pense. La France est catholique jusqu'au fond de son âme, et Saint-Martin de Tours était son frère d'armes. Saint-Hilaire de Poitiers faisait vibrer ses foules. On en aura besoin lorsque viendra la houle. Mais quelles sont donc vos armes si ce n'est la lecture? Le seul mouvement possible est dans la formation. Dire la vérité est une vraie aventure dans l'illusion stérile d'un monde sans conviction. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous aimer autant que Jésus, je le pense. Il nous faut une armée toute rangée en bataille pour inonder la France des livres de nos pères, pour que nos enfants restent et que Satan s'en aille. Le gros grain se prépare, il nous faut être frères. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous défendre autant que Jésus. En silence.